Yahoo, dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve pour la fameuse vidéo pile à lire du mois de juin. Et cette fois-ci, je vais avoir masse de titres à lire. Et je sais même pas comment je vais faire, honnêtement, et je n'ai pas le choix. Voilà, donc si la suite t'intéresse, continue. Donc, le mois de juin va être plus que chargé, étant donné déjà que je me suis... mis une série en 22 tomes à lire, ou 23 tomes, je sais jamais exactement, et que j'ai aussi toutes les nouveautés en titre de manga à lire, et que ça fait beaucoup tout ça, donc je pense que je vais carburer à 2 voire 3 mangas par jour. À un moment donné, les premiers jours du mois, ça va être ça. Donc voilà, je vais te vous présenter tout ça, bien entendu, ne t'inquiète pas. Alors, on va voir les 3 fameux yaoi que je n'ai pas eu le temps de lire pendant le mois de mai. Donc on a New Boy de Boss Love, enfin tout est de Boss Love, hein. On va avoir Amour sous la pluie, voilà. Et on va avoir Coup de foudre pour Cupidon. Donc ça, ce sont vraiment les premières lectures que je vais faire au tout début du mois. Comme ça, j'ai mes 3 vendredis de fées, sachant que j'ai là où le jour où je filme, en fait on est lundi 27 et j'ai déjà 2 vidéos yaoi d'avance de filmer. Parce qu'il y en a une que je filme aujourd'hui et l'autre je l'ai déjà filmée. Donc tu vois, je suis déjà tranquille un petit moment. Ensuite, je vais passer très rapidement aussi sur ces titres parce que tout simplement, je te les ai déjà montrés 2 fois. Voilà, je peux comprendre aussi que ça vous énerve que je vous en parle, mais forcément, Bless You de Akata, Night of Duelist, Night of Flower et Un pont entre les étoiles, pardon, j'allais dire sous les étoiles, des éditions Akata. Pourquoi je te présente tous ces titres alors que ce sont des 1 tome, les séries sont toujours en cours? Je ne sais pas si tu le sais, mais au cas où, je préfère le redire. Je vais faire des vidéos qui s'appellent What New, donc je te remets le seul épisode pour l'instant que j'ai fait en test en décembre l'an dernier. Et donc, en fait, je vais faire ça pour toutes les maisons d'édition, toutes les nouveautés qui seront sorties entre janvier et fin juin. Je te présenterai tout ça dans des vidéos par maison d'édition. Donc, forcément, j'ai aussi en stock Jardin Secret à lire des éditions à Cana. J'ai... Reise Kamika des éditions Delcourt Tonkam et j'ai My Home Hero des éditions Kurokawa. J'ai en plus, alors ça c'est ceux que je possède. Après il me reste Destinée de Yuki à acheter, Divine, je sais plus ce que c'est Divine, je te mets toutes les images à côté de moi. On va voir Mon Coloc aussi, tout ça c'est des éditions Pika. Ensuite chez Ototo il faut que je m'achète les tomes 1 et 2 de My Life et il faut que je lise Kazané. San, le Yuri. On va avoir Kemono, oui, c'est ça, des éditions Kurokawa. Ensuite, j'ai La vie devant toi, des éditions Akata à acheter. J'ai Canon debout monde, je ne sais plus comment ça se prononce, aussi des éditions Akata. En Delcourt Tonkam, il me faut Ice Pig, Mermaid Prince et One comme One. Donc tout ça, faut que je les lise, je les achète et je les lise. Kana, il m'en reste aussi Time Shadow et Versailles of the Dead, mais que je reçois de moi le jour où je filme, et je vous redis, on est lundi 27, donc mai. Et il me reste le manga de Maki Enjoji qui est Shake Me Love. Tout ça, il faut que je les lise donc dans le mois de juin. La fameuse série dont je te parlais qui est super longue, c'est le manga Lovely Love Lie, qui est donc un manga des éditions Soleil, qui est déjà terminé depuis pas très très longtemps. Nous sommes sur une série qui est en 22 tomes, un truc comme ça, enfin une vingtaine de tomes, et je dois les lire. Alors je me pose la question parce qu'au début je voulais faire 3 bilans lecture pour cette série et te les présenter au fur et à mesure du mois de juin en te présentant une des vidéos pour la fête de la musique parce que c'est un manga qui parle de musique. Mais je pense en fait que je vais d'abord lire tous ces, les What New, tous ces tomes 1. Et que ça, en fait, je te présenterai la première vidéo lors de la vidéo la fête de la musique, donc le 21 juin. Et que je te présenterai les autres bilans lecture après, parce que sinon, ça plus le reste, je vais jamais m'en sortir. Donc je pense que je vais procéder comme ça, ça sera bien plus simple. Et voilà, en ce qui concerne donc mes lectures pour le mois de juin. A savoir qu'au niveau mois de mai, j'ai lu le tome 16 de Détective Conan. Et que lors du week-end ami là qui va sortir pour moi, qui va être ce week-end en fait, je vais lire le tome suivant, donc le tome 17.
c'est ça? Attends, je suis au tome 15, donc 16, je l'ai lu. Donc quoi, il me reste le tome 17 au moins à lire. Il va falloir quand même aussi que je me botte le cul pour ça, parce qu'il faut que je te fasse deux vidéos. J'ai déjà deux vidéos de retard. Je pense que je vais annuler qu'il y en ait deux de retard, et je vais me dire au moins je t'en poste une dans l'été. Et après on retrouve en automne. Voilà, cette vidéo pile à lire est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire quels sont les titres toi que tu envisages de lire et ceux que tu attends le plus au niveau des sorties que tu veux absolument lire. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye.